C'est bien connu, la liberté n'a pas de prix. Et pourtant, si, la liberté a un prix. Que serait votre libre arbitre sans une information réelle, sérieuse et alternative? Votre liberté, c'est, entre autres, nos 375 heures d'émission pour les prochains mois. Pour ce faire, nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Libéralisme des mœurs, politique migratoire, politique sanitaire, politique étrangère, vous savez bien que vous ne pouvez pas compter sur les médias de la désinformation pour vous forger une opinion. Pourtant, eux, ils ont votre argent. Alors pour une fois, choisissez où va une toute petite partie de votre argent. Et en plus, les deux tiers sont déductibles des impôts. Alors oui, la liberté a un prix. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Je vous emmène ce matin dans une exposition à la mairie du 5e arrondissement, donc sur la place du Panthéon. Exposition qui a été organisée par Isabelle Renaud-Chapska et acceptée et accueillie par la maire du 5e. Florence Berthoud. Florence Berthoud, qu'il faut mettre en valeur parce qu'elle a un sens de l'accueil dans sa mairie extraordinaire. Extraordinaire, oui. Parce que je trouve que les maires, dans leur immense majorité, ne font pas beaucoup pour les arts, ou en tout cas pour tous les arts, j'ai envie de dire. Et ils sont installés dans des bâtiments somptueux, et ces bâtiments somptueux ne servent pas ni à la collectivité, ni aux artistes. Et ça, c'est donc tout à son honneur, elle le fait. Elle démarre un festival du livre actuellement, sous l'autorité de Toula Houlette, d'Éric Emmanuel Schmitt, oui. Et qui va être une très... Elle y tient beaucoup, c'est un de ses enfants préférés, et elle nous a très très bien accueillis, oui. Il y a donc déjà 2 ans, donc je vous rappelle quand même, enfin je rappelle à nos auditeurs que cette exposition était prévue pour le premier anniversaire de l'incendie de Notre-Dame, donc oui. En 2020, le 15 avril 2020, et tout était prêt, y compris le catalogue, et voilà que, évidemment, avec le confinement, on a été obligé de la reporter, de 15 jours en 15 jours, parce qu'au départ, vous vous souvenez, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, et là, quand enfin, au bout de 2 ans, on a retrouvé des conditions de vie un peu normales, eh bien, Madame Berthoud a décidé de rouvrir cette belle salle Capitan dans laquelle elle fait ses expositions régulièrement, où elle est très accueillante, comme vous le disiez, pour les artistes de tout bord. Eh bien, là, on redémarre donc une nouvelle exposition. Et alors là, moi, j'y gagne beaucoup, parce que au lieu d'avoir une exposition qui aurait dû durer 15 jours en 2020, elle va durer un mois, donc du 13 juin au 9 juillet. Alors, vous êtes la fille de cette Françoise Chapska, dont les peintures sont exposées et dont le sujet est essentiellement Notre-Dame. Alors, pourquoi est-ce que votre mère... D'abord, qui était votre mère? Alors, maman était la fille d'Armand Méglé, qui a été un homme important de sa génération, qui a, entre autres choses, créé ou co-créé le prix des Deux Magots à Saint-Germain-des-Prés, et qui était un homme lui-même très cultivé, très lancé dans la vie à la fois politique, économique et artistique, et qui a eu 6 enfants, maman était la 4e, et voilà qu'elle avait une sœur elle-même qui était peintre, Simone, et nous avons des toiles d'elle,
dès qu'elle a eu l'âge de 17 ans, c'est-à-dire même déjà pendant la guerre, elle était née en 1926, et elle a tout le temps, elle a toujours peint. Elle a mis ça, elle avait ça dans le sang, elle a peint, voilà, elle a peint, elle a dessiné, elle a peint sur la toile, elle a peint sur le carton, le bois, le tissu, elle a fait beaucoup de soie peinte à la fin de sa vie, et elle avait vraiment ça dans le sang. Et alors, l'origine du nom Chamska, c'est polonais ? Alors, c'est le nom de mon père, oui. Ladislas Chamski. Quand elle a commencé à peindre, elle a signé son nom de jeune fille, oui. Meglet, Françoise Meglet. Et puis, lorsqu'elle s'est mariée en 1951, très naturellement, à l'époque, aujourd'hui, on ne ferait plus ça, mais à l'époque, ça se faisait voilà, dans nos milieux, elle a signé du nom de son mari, qui était son nom, donc Chamska, oui. Françoise Chamska. Absolument. Et elle n'a jamais quitté ce nom parce qu'il lui a été, confirmé par la loi, même après son divorce, parce que c'était son nom de peintre. Oui, bien sûr. Donc elle n'a pas eu à changer de nom. Bien sûr. Alors, comment se fait-il que son sujet principal soit Notre-Dame ? Alors, notre sujet principal aujourd'hui est Notre-Dame. Mais elle a traité de beaucoup, beaucoup d'autres sujets. Voilà. Alors, si elle a traité Notre-Dame, et si aujourd'hui on rassemble tous ces tableaux ou ces peintures sur Notre-Dame, c'est évidemment parce qu'elle habitait, nous avons habité avec elle d'abord, et puis elle a habité ensuite toute seule devant Notre-Dame, place du Petit Pont, et que donc elle avait sous les yeux, nuit et jour, de 365 jours pendant 40 ans, elle la avait cathédrale. Ça sous les yeux. Oui. Alors forcément, quand vous êtes peintre, quand vous avez un peu de sensibilité, quand vous avez le sens du beau, vous êtes forcément happé par cette chose-là. Bien sûr, voilà. Oui. Donc il y a eu une sorte de dialogue intime entre elle, Notre-Dame, mais aussi la Seine, puisque c'est le seul endroit dans Paris où Notre-Dame donne directement sur le fleuve. C'est pour ça que j'ai appelé l'exposition Notre-Dame en Seine. De l'autre côté, bien sûr, c'est toujours dans l'île de la Cité, mais il y a des bâtiments, des maisons, ou le jardin derrière. Mais non, là, on est vraiment directement sur la Seine. Notre-Dame a les pieds dans la Seine. Notre-Dame a les pieds dans l'eau. Voilà, tout à fait. Et alors, sous les fenêtres de maman coulait la Seine et nos amours, comme chantait l'autre. Et alors, évidemment, ce rapport entre l'immobilité du bâtiment en pierre, et la mobilité de la Seine, du fleuve, qui joue tous les deux ensemble. Quoi. Et on a l'impression que Notre-Dame est un bateau sur le fleuve, et surtout qu'il y a aussi tout le jeu du ciel, avec la lumière qui change absolument tout le temps, bon, comme dans toute l'île de France, qui est un pays merveilleux, l'île de France, pour la lumière du ciel. Et donc il y a le jeu du ciel sur la pierre, et le peintre est là pour essayer d'accrocher cette chose absolument merveilleuse qui est le jeu de la lumière sur la pierre, sur l'eau, l'eau qui se reflète sur la pierre, le ciel qui se reflète sur l'eau. Enfin, il y a tout un jeu entre le ciel, l'eau et la pierre. Dans cet écrin de verdure, parce que c'était à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, c'était plein d'arbres. Et donc, c'était un paysage tout à fait remarquable. Oui, on le voit sur les tableaux, les arbres sont très hauts. Oui, les arbres sont très hauts, voilà. Tout à fait. Alors, les arbres au bord de la Seine n'ont pas bougé, ils continuent à être très hauts, mais il y avait entre l'atelier, enfin là où nous habitions, et puis la cathédrale, au bord de la Seine, il y a toujours un petit square, qui est le square de la Bûcherie, qui a une forme comme ça tout à devant la librairie Shakespeare. Devant la librairie de Shakespeare et compagnie. Et ce square ressemble un peu à une sorte de chaloupe qui est amarrée au grand bateau qui est là. Malheureusement, les beaux arbres qui existaient à l'époque ont été abattus pour faire en dessous un local technique. Bon, donc c'est pas sans intérêt, mais ça n'a plus ce côté éminemment graphique. Ce qui est quand même gonflé, de sacrifier des arbres centenaires pour un local technique, faut oser. Enfin, ils osent tout, c'est bien le problème. J'ai envie de rappeler aux téléspectateurs que vous êtes, j'aurais dû le faire dès le départ, que vous êtes l'auteur d'une très belle étude sur Marie-Madeleine, dans la peinture, si je me souviens bien. Et la littérature. Et la littérature. Mêler la peinture et la littérature, c'est pas très fréquent. Voilà. Et vous avez aussi fait un livre sur l'architecture des églises au XXe siècle. De Paris. De Paris. Intramuros. Voilà. Et ce sont deux très beaux livres pour lesquels vous êtes venu d'ailleurs à cette émission. Alors,
Si l'on évoque la peinture de votre mère, à quelle époque, à quelle école vous la rattacheriez? Bon, moi, je ne suis pas historienne de l'art, hein, donc Oui. il faudrait demander à des gens qui s'y connaissent. Bon, je suis un peu comme tout le monde, j'ai quand même un peu regardé la peinture dans ma vie. Il est clair que, surtout avec cette série assez impressionnante de 50 tableaux sur Notre-Dame, on a assez spontanément envie de penser à l'impressionnisme, parce qu'elle a une touche effectivement très 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 Oui. légère, un jeu de couleurs qui fait passer la lumière ou qui au contraire la retient. Oui. Bon, on est quand même. Alors, j'ai pas l'outrecuidance de faire une relation directe avec les cathédrales de Monet, mais vous voyez, on est un peu dans cette idée-là. Oui, absolument. Encore que c'est pas une série qu'elle a faite, hein. C'est Non. pas chaque tableau vaut pour lui-même, Oui. même si évidemment chaque tableau trouve aussi son sens par rapport à tout le reste. Moi, j'aime bien évoquer ça sous le nom d'une liturgie des heures. C'est-à-dire que ça commence le matin, enfin dans mon esprit, parce que forcément, Bien avec sûr. un lever de soleil sur Notre-Dame, il y a toutes les heures du jour et de la nuit qui vont être arriver sous le pinceau de l'artiste. Et puis, un coucher de soleil, il y a des couchers de soleil aussi magnifiques. Et donc, on aura des choses. Et puis, une pleine lune aussi. Enfin, donc, on a ce que j'appelle une liturgie des heures. C'est Voilà, une sorte de célébration. très joli comme idée. Tous les photographes qui se préoccupent donc de lumière savent que la lumière le matin à 6h30, 7h, 8h est bien plus extraordinaire que celle, bien sûr, à midi où tout est écrasé. Et puis ça revient le soir. Voilà. Il y a des photographes qui attendent des journées entières. Dans l'exposition, c'est donc Notre-Dame et la Seine. Voilà, le titre, c'est Notre-Dame en En scène. scène et... Alors, on écrit Seine, Seine, bien sûr, à cause de la présence Oui. du fleuve, des ponts Avec aussi un jeu sur ce fleuve. de mots. Avec le jeu de mots. Avec le jeu de mots, elle est mise en scène parce qu'elle est dans toute sa beauté, elle est toute dans son resplendissement. C'est quand même une très très grande dame, hein, Notre-Dame. C'est pas, bon, bien sûr, c'est la Vierge Marie, c'est en même temps une mère et en même temps une très grande dame. C'est à la fois quelque chose qui est assez impressionnant et en même temps quelque chose de, enfin, un lieu de tendresse, un lieu d'amour. Hein, donc, on est entre le hic locus terribilis est de Genèse 28, hein, ce lieu est terrible parce que c'est le lieu de la présence de Dieu, et en même temps c'est un lieu maternel, matriciel, c'est le lieu aussi de l'omphalos, du nombril de Paris, c'est le cœur même de Paris et de la France, hein, puisque c'est de là qu'on compte les kilomètres. Donc on est vraiment dans un lieu tout à fait ambivalent et très complet. On a l'impression d'ailleurs que cet incendie, malgré ses conséquences absolument horribles, a provoqué une espèce de prise de conscience que justement Notre-Dame, c'était le centre de Paris et la France. Oui, c'est vrai, C'est. ça a été très beau, la réaction. On a Toute tous pleuré chose, malheur est ensemble. bon. Oui, on a tous pleuré ensemble. On a tous Et ça a pleuré créé une ensemble, oui. communion aussi autour du... Autour Et du, dans le du... monde entier, c'est ce qu'il y a C'est-à-dire qu'en de. fait, l'adjectif possessif notre a vraiment pris tout son sens. Voilà. Autour de cette dame, qui était une vieille dame en plus. Hein. Et puis on s'est rendu compte que cette dame, qui est une vieille dame, qui est un peu comme une grand-mère, on le sait, nous, on est des grand-mères, on aime énormément tous nos petits-enfants, mais on sait aussi que de temps en temps, les petits-enfants, ils ont d'autres chats à fouetter, ils sont à droite et à gauche, et peut-être quelquefois, ils peuvent nous oublier. Et alors, cette grand-mère qui est Notre-Dame, on s'est rendu compte que tout d'un coup, elle était aimée par tous ses petits-enfants et que tout le monde était revenu. Et c'est pour ça que la peinture de maman, qui elle n'a pas connu, hein, l'incendie, Non. puisqu'elle est morte en 2008, eh bien, Dieu merci, parce que ça l'aurait. ça aurait été horrible. Je ne Oui. sais pas comment elle aurait vécu ça. Oui. Mais ça, en tout cas, était. C'est un lieu de communion, cette peinture. Et quand mes petits cousins qui avaient beaucoup aimé leur tante et qui connaissaient bien sa peinture, qui avaient acheté de la peinture, qui vivaient aussi en beaucoup de tableaux d'elle, m'ont dit il faudrait absolument faire une exposition. C'était pour rendre hommage à la cathédrale qui venait de brûler, Bien sûr. dont on avait cru pendant quelques heures qu'elle allait complètement Oui. s'effondrer, et qui, Dieu merci, est quand même restée solide, stoïque. Hein.
Grâce aux architectes aussi, médiévaux. Grâce aux architectes, oui, voilà. Bon, et puis aussi aux pompiers, hein, faut aussi rendre hommage aux pompiers. Avez-vous vu le film de Jean-Jacques Hano? Pas encore. C'est un très beau film. Oui. Je le conseille infiniment. Je voulais pas le voir parce que j'étais trop émue, trop émotive. Trop émue. Je savais que j'allais pleurer infiniment et que j'ai pas toujours envie de pleurer. Et je me suis forcée, il faut dire qu'à la fin d'une séance où j'avais vu un film très joli d'ailleurs, encore, ce film sur une danseuse de l'Opéra de Paris qui a un accident en scène et qui s'abîme la cheville et qui est obligée de s'interrompre. Elle ne pourra plus être danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Et elle intègre une troupe d'art, de danse moderne, contemporaine. Et c'est très joliment fait, c'est très bon. Et j'avais beaucoup aimé. Et arrive dans la salle des pompiers de Versailles annonçant la projection, presque en avant-première du film. Et du coup, je me suis dit, ah, tu es là, tu ne peux pas reculer devant l'obstacle. Et je suis restée. Et bien m'en a pris parce que c'est un film d'abord religieux. À aucun moment, la fonction religieuse de Notre-Dame n'a été évacuée. Ce qui est quand même pas mal, parce que par les temps qui courent, on a un petit peu envie, on sent qu'il y a quand même quelques volontés politiques de faire de cet endroit un endroit de visite touristique et non pas ce qu'il est, c'est-à-dire une église. D'ailleurs, ils veulent en faire un établissement public, comme la basilique Saint-Denis. Ah oui. Et à la basilique Saint-Denis, quand le prêtre veut dire une messe, il doit demander à la République. Et donc, leur volonté, c'est de faire la même chose avec Notre-Dame de Paris pour pouvoir ne plus avoir à demander l'autorisation à personne pour installer tout ce qu'ils ont envie d'y installer. Voilà, mais ça, c'est une autre affaire. En tout cas, ça a été un énorme traumatisme. Et comme vous le disiez, justement, ça a été l'occasion pour le monde entier, et en particulier pour les gens, évidemment, qui habitent là, de se rendre compte que cette cathédrale qui est tellement vieille, elle est finalement complètement jeune, même avant sa résurrection, qu'on va saluer, j'imagine, dans quelques mois. Mais elle a une présence très, très importante, parce qu'une fois de plus, c'est un lieu de communion. Oui, absolument. J'ai envie de rendre hommage aussi aux capacités de dessin de votre mère. Sa femme arbre est absolument magnifique. Oui, j'aime beaucoup cette encre. Elle a un dessin très ferme. Elle a un dessin très ferme. Elle a un dessin très ferme. Et puis elle a beaucoup de poésie en elle. Ah, elle était poète elle-même, elle écrivait de la poésie. Beaucoup de poésie. Oui, mais elle écrivait très bien. Ouais. Je vais exposer des textes d'elle sur l'art, mais aussi sur la vie. Enfin, sur. Donc, il y a toute une section d'exposition sur l'arbre et la forêt, parce que c'est la forêt de Notre-Dame qui a brûlé. On en a beaucoup parlé. Hein. Mmh. Et puis que mon fils, donc son petit-fils, est charpentier. Donc, oui. on est dans cette logique, dans cette poésie de l'arbre, du bois. Et donc, il y aura dans l'exposition au Panthéon, à la mairie du 5e. Toutes sortes de tableaux sur les arbres étant toujours, même s'ils ne le savent pas, des hommes ou des femmes et les hommes étant, même s'ils ne le savent pas, des arbres eux-mêmes. Nous avons une connaturalité avec l'arbre et c'est ça qui l'intéresse comme peintre. C'est très joli tout ce que vous dites. J'ai envie aussi de rappeler que vous avez travaillé sur le poète Patrice de la Tour du Pin, que vous nous avez fait découvrir il y a ici même d'ailleurs. Et que maman aimait beaucoup Patrice de la Tour du Pin. Elle lisait volontiers sa poésie et elle l'avait connue autrefois. Il n'y a plus rien à dire, il faut juste admirer, je trouve. C'est vrai, j'aimerais beaucoup que cette exposition ait un public large, varié. Je pense que Vous l'avez dit vous-même, cette peinture est extrêmement variée, non seulement dans les couleurs, dans le travail des couleurs, dans le rendu, dans la matière. Quelquefois, la peinture est extrêmement épaisse, d'autres fois, elle est très, 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 très lisse, quelquefois, elle est complètement brouillée. Oui, c'est très variable. C'est très, très varié. Très varié, oui. Et en même temps, donc chacun peut trouver vraiment ce qui va vraiment lui parler au cœur. Et alors moi, je serai tous les après-midi. L'exposition sera ouverte tous les après-midi.
après-midi, y compris le samedi, avec une nocturne jusqu'à 19h30. Bien. Les autres jours, c'est 18h, donc de 14h à 18h. Et donc, je ferai visiter, enfin, au moins, j'accueillerai le public et les gens pourront poser des questions. Il n'est pas question... Il n'y a pas de vente de ces tableaux. Je vais vendre, j'ai le droit de vendre le catalogue. Ah oui. Et nous avons, à la demande de mes petites filles, fait éditer des cartes postales, parce qu'elles ont très envie qu'il y ait des cartes postales. Ah, c'est une bonne idée. Cartes postales. Oui. C'est une bonne idée, parce que c'est... j'achète toujours les cartes postales dans une exposition. Ah, voilà. Parce qu'on rapporte quelque chose à la maison et c'est quelque chose qu'on peut avoir sous les yeux tout le temps. Voilà, tout à fait. Puis qu'on peut envoyer aux gens qu'on et aime. Et qu'on peut envoyer. Non, alors, c'est divin. Alors, moi, je les achète en double. Parce que je les envoie à ceux que j'aime et j'en garde une. Absolument. Parce que si j'envoie tout, je n'ai plus rien à la maison. Merci beaucoup, Isabelle Renaud-Chapska, de nous avoir introduite à cette exposition. Donc, 13 juin jusqu'au début juillet. 9 juillet. 9 samedi juillet, 9 juillet. À la mairie du 5e. L'exposition, bien sûr, est gratuite. Et elle est ouverte à tous. Elle est ouverte à tous. Et bravo d'avoir eu l'idée de cet hommage à Notre-Dame. Une nouvelle manière pour un public, soit qu'il habite sur place dans le 5e arrondissement, soit qu'il vienne de plus loin, qui a des idées, un public qui a des idées déjà assez toutes faites sur Notre-Dame. Et là, c'est une manière de renouveler complètement le regard qu'on a sur la cathédrale. C'est vrai, c'est vrai. Isabelle Renaud-Chapska, merci beaucoup. Merci Anne. À très vite, chers amis de TV Liberté. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir une nouvelle fois Jacques Boncompain. Bonjour monsieur. Vous êtes venu pour traiter le premier livre pour lequel vous avez été reçu ici, « Je brûlerai ma gloire » aux éditions Muller, qui est un livre déjà centré sur le maréchal Pétain, puisque c'est une phrase qu'il a prononcée. Vous avez écrit d'autres livres, vous avez écrit « La révolution des auteurs » chez Fayard, un dictionnaire de l'épuration des gens de lettres et « Ou mort aux confrères », un sous-titre « Ou mort aux confrères ». Et vous avez eu une carrière très intéressante au syndicat des gens de lettres. À la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Association, oui, voilà. Merci pour le bon thème. C'est une société qui administre les droits des auteurs qu'il perçoit. Et là, c'est un point de regard extraordinaire, puisque vous avez eu accès à moult correspondances, moult témoignages. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette partie de votre activité ? Oui, en fait, ma vie a été centrée sur le soutien aux auteurs. Voilà. J'ai un père qui était pharmacien, mais dont la vie était essentiellement tournée vers la littérature, qui a publié une dizaine de romans, une biographie de Stendhal et une biographie de Joseph de Maistre. Oui, vous êtes tombé dans la littérature. Mon parrain est Marc-Gilbert Sauvageon, qui a écrit 100 films et 40 pièces. Oui. J'ai un frère qui est peintre. Oui. Donc, m'occuper des auteurs, c'est m'occuper de la famille. Et j'ai eu la grâce d'entrer à la Société des auteurs dramatiques en 1969, après avoir soutenu ma thèse sur le droit d'auteur au Canada, qui a été publiée à Montréal avec une préface de Marcel Pagnol. Très bien. Donc, j'ai bénéficié de l'accompagnement des auteurs et j'ai eu des préfaciers prestigieux, tels que Félicien Marceau, je dirais que aussi le président de la SACEM, Jean-Claude Bologne, le président de la Société des gens de lettres. Alors, tout ça pour dire voilà. Tout ça pour dire que votre livre, celui que nous évoquons ce matin, La tragédie du maréchal, Muller Édition, qui, rappelons-le, chers amis, sont les éditions de Guillaume de Thieulois,
qui lui rend hommage une fois de plus. Auquel il faut rendre hommage, évidemment. Ce livre n'est pas le énième récit de la vie du maréchal, du combat entre De Gaulle et Pétain. C'est un livre nourri de témoignages écrits sur cette époque, sur ce qu'on dit les uns et les autres, et sur les propos du maréchal et du général De Gaulle. Donc c'est un livre extrêmement riche. Encore une fois, c'est un livre où chaque page apporte son information. On a l'impression qu'on sait tout sur le sujet, c'est comme Jeanne d'Arc. Les livres s'accumulent et on se dit « mais c'est pas possible, j'ai beaucoup lu, je dois avoir fait le tour de la question ». Eh bien, pas du tout. Vous apportez un nombre infini de trésors, biographiques et de pour percer en fait le mur du mensonge, le mur de la propagande et le mur de toutes les horreurs qui nous tombent sur la tête sur les Français, sur les pétinistes, sur le maréchal. Et c'est un livre rafraîchissant pour cela. Merci beaucoup, Jacques, de Bon Compain. Alors, la première phrase de votre livre, le premier témoignage que je voudrais citer de votre livre, eh bien, c'est celle de Guy Reissac, qui est un magistrat instructeur du procès du maréchal, et qui a dit « On ne peut sans dommage renier et flétrir sans courir le risque d'altérer sa propre substance. » Cette phrase, je trouve, est extrêmement importante parce qu'elle résume absolument notre état d'esprit aujourd'hui. On a finalement une substance, la substance des Français, qui est altérée à cause de tous ces mensonges. Est-ce que vous pensez que c'est... C'est pourquoi je me suis lancé dans cette tâche assez considérable, alors que je suis venu de l'histoire de la condition des auteurs, j'ai basculé vers la politique. Ce n'était pas mon idée, ouais. Même si en écrivant l'histoire de la condition des auteurs, ouais. de l'Antiquité ancienne à nos jours, quand je suis arrivé à l'histoire de France, ouais. Eh bien, je racontais aussi l'histoire de France, puisque ouais. les auteurs font partie des médiateurs de la vie politique. Ils sont des témoins. Ce sont des témoins. Et lorsque je suis arrivé à l'occupation, j'ai publié la condition des auteurs, si vous voulez, au temps moderne, avec une préface de Jean-Claude Carrière. Et là, j'ai couvert l'époque de la guerre de 14, j'ai couvert la guerre de 70, la guerre de 14, la dernière guerre et l'occupation. Donc, j'ai été confronté à la condition des auteurs juifs, j'ai été confronté à l'épuration, tout cela. Et en creusant, je suis arrivé aux Archives nationales et j'ai pu prendre connaissance de toutes les archives de la Commission nationale d'épuration, nommée par le général de Gaulle le 30 mai 1945 pour juger en dernier ressort, c'est-à-dire qui réévoquait toutes les procédures antérieures. J'ai publié, c'était un problème physique, c'est-à-dire il faut une force physique pour faire de l'histoire. Hein. J'ai saisi et publié les 2500 dossiers. Et à ce moment-là, les écailles me sont tombées des yeux. Parce que j'ai vu une dissonance, un écart considérable entre ce que les archives me révélaient et la doxa. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'ai vu que, finalement, le plus grand, je dirais, maquillé, le plus grand défiguré de toutes les personnes, c'était le maréchal. Et comme c'était la clé de voûte d'une époque, en détruisant le maréchal, c'est tout un pan... je dirais, de l'histoire de France, et d'une histoire qui est belle, dans une période effroyable. – Bien sûr. Mais où, c'est-à-dire que j'ai découvert que les Français n'ont pas à rougir de ce qui s'est passé. Et alors, le premier tome était consacré principalement à Pétain, principalement à la Révolution nationale. J'ai abordé la question juive à fond. Mmh. J'ai abordé tous les autres sujets. Et le deuxième volet... C'est principalement
le général de Gaulle, et avec en conclusion le procès. Et chaque fois, avec de nouvelles archives, totalement inédites. Est-ce que vous savez que ce qui vous est arrivé, ces écailles qui vous tombent des yeux, est arrivé à un grand historien, c'est Taine. Taine commence une histoire de la Révolution française, tranquillement, sans a priori, bien persuadé qu'il allait faire l'éloge de la Révolution française. Et au bout du compte, c'est un procès de la Révolution française qu'il fait. J'ai découvert ça dans une biographie de Taine magnifique de François Léger. Donc vous voyez, vous avez un illustre prédécesseur, grand historien. Alors, le problème de cette flétrissure, comment est-ce que vous l'expliquez, cette flétrissure sur le pays tout entier? Ben, je l'explique parce que... En dehors de la division qui dure encore. Non, il y a eu, chacun le sait, un effondrement de la France en 1940. Oui. Et le maréchal Pétain est la personne qu'on est allé chercher, il ne faut jamais l'oublier. Et qu'à ce moment-là, toutes les mains se tendaient vers lui comme vers une bouée. Et il était le seul à surnager et pouvoir éviter une occupation totale de la France et la nomination d'un Gauleiter. Voilà. Et donc, il a eu tout à fait conscience qu'en luttant contre Hitler, dans cette étreinte, eh bien, le souffle d'Hitler passait également sur la personne qui luttait avec lui. Bien sûr. Et le général de Gaulle, quand il a vu qu'il ne figurait pas dans le gouvernement, alors que Pétain était tout à fait prêt pour le maintenir, oui, sa position de secrétaire d'État à la guerre, oui, eh bien, c'est Weygand qui n'en a pas voulu, en disant que de Gaulle était insupportable, invivable, qu'il n'en voulait pas. Oui, oui. Et donc de Gaulle a dit, ils ne veulent pas de moi, je fous le camp à Londres. Et il est parti à Londres pour ça. C'est-à-dire que si Pétain avait été entendu par Weygand d'une certaine manière, ben, il n'y avait pas toute l'aventure. À quoi tiennent les choses? Et quand il est arrivé à Londres, il a reçu l'ordre de Weygand de revenir, parce que c'était un abandon de poste, oui, oui, alors que la guerre se poursuivait. Oui, oui. Il a dit qu'il revenait, et c'est Churchill qui l'a empêché. Bien sûr. Et à ce moment-là, il y a eu l'aventure que l'on connaît. Oui. Et à ce moment-là, il a pris, je dirais, pour exister, le parti opposé de Pétain. D'ailleurs, et il c'est le dit... la clé de l'armistice. C'est-à-dire que l'armistice, pour moi, est une victoire extraordinaire. Et dans un article qui va être publié prochainement dans Liberté politique, je fais de le général de Gaulle le grand alchimiste inversé. C'est-à-dire qu'il prend de l'or et il en fait du plomb. C'est-à-dire que l'armistice est vraiment... C'est une histoire, c'est absolument incroyable. Il n'y a que Pétain qui pouvait l'obtenir parce que lui seul avait le charisme pour en imposer à Hitler. Et donc, je dirais que... donc, il est parti. Et à la fin de la guerre, Churchill, tous les hommes politiques et les militaires reconnaîtront que l'armistice, de l'aveu même de Churchill, a raccourci la guerre d'au moins 2 ans. Alors, tout ce que vous venez de dire est très important et on va le développer. Alors, c'est ce problème de l'armistice que de Gaulle va déguiser en capitulation, c'est extrêmement important, les mots ont un sens. Armistice, c'est un arrêt des combats. Ça n'a rien de déshonorant. Une suspension d'armes. Une suspension d'armes, alors que capitulation, évidemment, il y a un côté péjoratif monstrueux. C'est très intéressant. Et vous avez dit aussi, vous avez parlé du général de Gaulle, et il dira, on ne devient quelqu'un qu'en s'opposant. Ça, c'est une phrase terrible. Ça, c'est dans le fil de l'épée. Déjà, il a tout dit. D'ici que on n'accède pas à l'Empire en suivant les principes des évangiles. Donc, il s'est justifié à l'avance que le chef devait savoir ruser, louvoyer, mentir. Il a fait... C'est une phrase de Marie-France Garraud aussi. Le péché fait partie du monde politique. C'est ça. Je l'ai mis dans le premier tome. Mais on ne gouverne pas innocemment. Oui, c'est ça.
Mais c'est quand même assez faux. On ne devient quelqu'un qu'en s'opposant. C'est complètement faux. Il y a des gens qui ont servi une cause toute leur vie, qui ont servi un homme toute leur vie et qui sont devenus de grands personnages. C'est déjà mégalomaniaque. Oui, c'est-à-dire qu'il avait dit, on devient un grand homme qu'en, je dirais, endossant une grande querelle. Oui. Et je pense toujours, moi, sur le plan de la littérature, à Bergas, qui était l'avocat dans l'affaire Kornmann, qui a opposé Beaumarchais sur la place publique à la veille de la Révolution. Et il y a un avocat qui a compris qu'en attaquant Beaumarchais bille en tête, lui qui n'était rien, deviendrait une grande personne. Oui, oui. Et grâce à cela, il a été élu aux États généraux. Oui, oui, c'est sûr. Mais enfin, c'est fait remarquer. Donc, De Gaulle, c'est un petit comportement. Mais ça ne fait pas partie des grands comportements. De Gaulle est un maître en communication. Oui. Il a étudié Bonaparte, et il faut savoir que quand il va à Montcornet, il y a un journaliste radio qui le suit pour déjà chanter ses louanges. Oui, oui. Donc, et la littérature l'inspire, puisqu'il va... Il va copier Victor Hugo et Chateaubriand et leur rapport avec les grands de ce monde. Oui, mais il connaît son histoire, pour le meilleur. Bon, le problème, c'est lorsqu'il y a de trop grandes distorsions avec la réalité et que là, on sombre dans la caricature et que, au-delà de sa propre personne, je dirais... on fait du mal à un pays entier. Absolument, oui. Et donc, le lourd secret, il y a le premier chapitre du livre, c'est le lourd secret du général. Car il y a un fait qui devrait être connu de tous, c'est qu'en 1940, De Gaulle s'est trompé. Dès que Paul Reynaud a été nommé président du Conseil, comme il en avait fait sa locomotive à la suite de... son départ avec sa relation avec le maréchal Pétain. Il s'est rué deux jours plus tard, le 24 mars 1940, à son cabinet pour faire pression sur lui afin que, au cas où les Allemands attaqueraient par le Nord, le gros des troupes françaises, l'élite avec l'artillerie, les chars, se précipite au secours des Hollandais et des Belges. Et ça va être justement le fameux piège d'Hitler. Donc De Gaulle a été l'un des artisans, puisque dès le 28, Paul Reynaud va à Londres, et là, il fait entériner cette décision, et même il va plus loin en prenant l'engagement de ne pas signer de paix séparée, alors que Daladier, en décembre, avait résisté aux pressions anglaises pour garder à la France toute sa liberté. Donc après, il y a l'effondrement que nous connaissons, il y a l'armée française qui est fauchée à partir de Sedan, et De Gaulle sait que lui, il est co-acteur de cette catastrophe. Et donc il n'a de cesse de vouloir la camoufler. Dès qu'il va à Londres, il dit « c'est pas moi, c'est Pétain ». Et d'ailleurs, il écrit des mémoires. Le maréchal n'en écrit pas. Ce sont des mémoires pour plaider sa cause, en réalité. Des proches du maréchal disaient, « Monsieur le maréchal, quand est-ce que vous avez publié vos mémoires ?» Et Pétain répondait tout tranquillement, « Des mémoires, pourquoi ? Je n'ai rien à cacher. » Or, De Gaulle avait beaucoup à cacher. Et toute sa vie, je pense aux petits spartiates, qui avait volé un renardeau et qui s'est laissé finalement s'est laissé ronger le foie par le renardeau pour ne pas avouer qu'il avait volé, ce qui à l'époque pour un spartiate était le comble du déshonneur. Absolument. Et donc De Gaulle est rongé pendant toute sa carrière par ce péché originel, et d'ailleurs il dira lui-même: mais toute ma vie, j'ai fait semblant. Oui, c'est ça. Toute ma vie, j'ai fait semblant. C'est quand même effrayant.
Et d'ailleurs, il a lui-même, vous analysez chacun de ses textes à la loupe, et il dit bien, Georges Pompidou vient lui annoncer que le maréchal Pétain mort, eh bien c'est une affaire liquidée, et De Gaulle a répondu, non, c'est un grand drame historique, et un grand drame historique n'est jamais terminé. Donc il sait que, il sait l'importance de ce qu'il a fait, il sait c'est ça qui est effrayant. Il a parfaitement conscience que ce procès, d'ailleurs à un moment donné, il dit « j'espère qu'il sera mort avant, on va le condamner ». Il va passer en justice comme les autres et avec un peu de chance, il sera mort d'ici là. Oui, j'ai un chapitre qui s'appelle « Le festin de Pierre ». Pour moi, De Gaulle en 45, quand Pétain revient, c'est un peu… Don Juan et avec le père qui revient sous forme d'une statue. Statue, si oui, 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 oui. Et donc, Pétain a le mauvais goût de revenir. Et revenant, il lui renvoie tous ses mensonges. Ouais. Ouais. De Gaulle sait tout ce qu'il a fait. Il sait toutes les libertés qu'il a prises avec ce qu'il impose comme une vérité historique. Et je dirais qu'avec la guerre d'Algérie, comme le démontre admirablement en ce moment Henri-Christian Giraud avec sa somme sur le piège gaulliste, eh bien, je dirais, De Gaulle va donner toute la dimension de son sens de la manipulation avec la guerre d'Algérie. Mm. Et là, c'est fascinant et en même temps terrifiant. Oui. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est la volonté, depuis qu'il part à Londres, de créer l'univers du mal, c'est tous ceux qui sont restés en France, et lui représentant l'univers du bien. Ça, c'est fascinant aussi. Oui, c'est tout un art, je dis que… Et on y est encore, on vit encore avec cette dichotomie. Oui, l'art, c'est toujours de fabriquer des mots pour en faire des chaînes, vis-à-vis de son adversaire, le chargé de chaîne. Mmh. Et donc, l'arme suprême, la charge suprême pour éliminer le maréchal, c'est de déclarer qu'il a été antisémite. Alors, je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai dit sur Twitter, que pour moi, Pétain est l'un des plus grands sauveurs de juifs en Europe après Pidouze. Et il faut rappeler, parce que personne n'en a parlé, à ma connaissance, même les journaux chrétiens, que le 27 janvier de l'année dernière, les Nations Unies ont reconnu que le malheureux Pidouze, qui a été tellement, je dirais, sali sur ce sujet-là, à propos de son prétendu silence, avait contribué à sauver plus de 925 000 ou 35 000 juifs. Vous voyez ? Donc je ne désespère pas qu'un jour, il y ait une reconnaissance du nombre de juifs que le maréchal a pu sauver, ne serait-ce qu'à travers l'armistice tant dénigré, des 440 000 juifs qui vivaient en Afrique du Nord. Absolument. Rien que cela, je dirais, l'armistice par lui seul a été un bouclier qui a sanctuarisé ces personnes. Vous voyez ? Et le deuxième point, c'est que Pétain a refusé de partir à Alger. Alors, le reconnaissait le général de Gaulle. S'il avait été à Alger, eh bien, je dirais que c'est lui qui aurait descendu les Champs-Élysées sur son cheval blanc, bien sûr, comme le disait lui-même de Gaulle. Je n'existais plus. Mmh. Et là, c'est Jean-Marie Roir qui a publié un roman uchronique l'année dernière sur ce thème, que se serait-il passé si le maréchal Pétain avait été à Alger. Oui. Là, c'est un roman extrêmement savoureux. Il n'existait plus. Et il est resté en France pour s'occuper des petits, des pauvres, dont les Juifs. Et il dira à Roger Martin Dugard, en août, juste avant d'être transféré à Simbergen, 1944, si j'étais parti, vous entendez bien, les SS, les Juifs, les auraient tous exterminés comme en Pologne. Absolument. Il y a une phrase qui revient souvent, parce que vous citez bien sûr De Gaulle, on lui propose des solutions, des choses à faire, et il répond, et moi dans tout ça.
Oui. C'est pathétique. Même, et moi, dans tout ça. Mais le grand fidèle. Mais il le fait deux ou trois fois. Vous le citez grand fidèle deux, de Gaulle, c'est quand même. Et qu'est-ce que je deviens dans Michel tout ça. Debré. Oui. Michel Debré a reconnu le problème avec De Gaulle, c'est qu'il y avait la France et il y avait De Gaulle. Oui. Alors, de temps en temps, je dirais, l'intérêt de Gaulle et l'intérêt de la France coïncidaient. Oui. Mais parfois, il y avait une distorsion. Et De Gaulle donnait la préférence à De Gaulle sur la France. Absolument, absolument. Et puis, il y a évidemment tous ces procès de l'épuration et cette mainmise du Parti communiste. Vous citez le procès de l'amiral Esteva qui est condamné aux travaux forcés. C'était le premier procès. Donc il fallait qu'il y ait un exemple, il fallait que ça cogne dur. Mais il y a un homme qui s'appelle Claude Morgan, qui est un bon communiste, qui écrit dans les lettres françaises, le titre de l'article tout de même, c'est « La vérole ». Si Esteva n'est pas un traître, c'est qu'il n'y a pas de traître. Il est absolument furieux, il voulait la condamnation à mort de l'amiral Esteva. Là, on est dans l'excès, dans la folie, tout ce qui est excessif est idiot. Et puis surtout, on est dans le jugement communiste. C'est ça qui est fantastique. C'est-à-dire que De Gaulle voulait être le président de la 4e République. Et il a essayé d'avoir tous les soutiens possibles pour y parvenir. Et donc, il n'était pas en odeur de sainteté à l'égard de Roosevelt. Donc, il a pris langue avec Staline. C'est lui qui a fait la démarche. Et Staline lui a dit, bon, je vous soutiens. Mais à ce moment-là, il faut faire rentrer des communistes au sein du CFLN. Mm-mm. Et puis, ça sera la même chose à la Libération. Et donc, il y aura 7 ministres communistes. Et l'État profond français a été marxisé jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que le résultat de la diabolisation de Pétain, c'est que la droite, je dirais, traditionnelle, a été éliminé, condamné pour péché de collaboration. Et depuis, la droite a été sur la défensive. Et c'est encore la démonstration que nous avons aujourd'hui, puisqu'un Mélenchon qui prône tout ce qui doit détruire la France bénéficie d'une sorte d'une indulgence incroyable de tous les médias. Voilà. Donc, il y a toujours deux poids, deux mesures. Toujours, toujours, oui, oui, absolument. Et la malédiction demeure. L'extrême droite est condamnée, mais le programme commun, c'était légitime, c'est démocratique. Que les socialistes s'allient avec les communistes, c'est tout à fait légitime. Et en fait, les communistes avaient à se faire pardonner le pacte germano-soviétique, et c'est pourquoi ils sont rentrés dans la résistance uniquement à partir du moment où l'URSS a été envahie. Et ils ont, je dirais, lancé la légende des 75 000 fusillés en se présentant comme les premiers résistants de France. Oui. Ils vont pousser aux attentats pour susciter une réaction très violente de la part des Allemands et pour préparer les conditions d'une guerre civile qui tournerait à leur avantage. Voilà. Et bon, on vit encore sous ce schéma-là. Oui. Voilà. Le temps est long, je trouve. Très long, très long, très long. Mais le mensonge a la vie dure. Non, mais parce que vous avez à la fois De Gaulle aussi qui détestait les partis, pour absolument revenir au pouvoir, finalement aussi à réhabiliter les partis. Il avait une éducation catholique, c'est quand même lui qui va rappeler la franc-maçonnerie. Oui. Qui règne sans partage aujourd'hui. Oui, oui, oui. La nomination de la nouvelle ministre. Alors que le maréchal Pétain l'avait bien mis sur la touche. Ben, voilà. Oui. Si vous me permettez, voilà une phrase du maréchal. Lorsqu'il a reçu, le 25 mai 1943, le recteur de l'Institut catholique de Paris. Mm. Il n'y a pas une ride. Hein. On vient me voir, oui, beaucoup.
ceux qui devraient venir ne viennent pas. On vient me voir pour me demander des faveurs, comme si j'avais des faveurs à distribuer. Pour se plaindre, pour récriminer, pour revendiquer. On ne vient pas pour me parler de la France. De Gaulle a dit la même chose. Je reçois le président Herriot, je pense qu'il va me parler de la France, il vient pour me parler du Parti Socialiste. Vous savez, il y a des correspondances de Gaulle-Pétain qui sont énormes. La différence, c'est que de Gaulle voulait supplanter Pétain. Mais il a tué le père. Mais sinon, c'est la même... C'est la même culture, la même éducation. Absolument. Absolument. Alors, et pourtant, il n'y a que cela qui compte. S'agissant de la France, il faut la guérir. La politique et la maçonnerie, c'est la même chose, l'ont mise à mal. Il faut la refaire, refaire son esprit, lui apprendre à parler français. J'y ai travaillé par mes messages, par la charte du travail et le reste. Je continue tant que je peux. Je suis entravé par les fonctionnaires qui me trahissent. Les préfets sont incapables. On les change, on n'en change pas l'esprit de la politique. La maçonnerie a mis un faux nez, elle règne toujours. Je ne fais pas la politique intérieure que je voudrais faire. L'allemand m'en empêche. Je ne fais pas la politique extérieure que je voudrais faire. Laval m'en empêche. Alors on me dit pourquoi rester si vous ne pouvez rien faire. Je reste parce qu'il faut que je sois là. Ne pas disparaître. Maintenir le pays. L'unité du pays. L'unité par l'esprit d'obéissance. Je voudrais, pour me guider, entendre parler la vraie France. Le bon sens de la vraie France. Et je vous exprime mon émotion d'avoir découvert tardivement, c'était samedi de la semaine dernière, la ferme natale du maréchal, à Cauchy à la Tour. Eh bien, je crois que tout Français qui ferait le pèlerinage et qui irait dans cette ferme comprendrait le maréchal, l'humilité du maréchal, l'honnêteté foncière du maréchal, son amour de la France, sa simplicité, sa proximité auprès du plus humble des Français. Oui, la terre ne ment pas, ce n'est pas une phrase dite en l'air. Alors, c'est justement Emmanuel Berle, qui a été l'un des rédacteurs des discours du maréchal, qui avait écrit cette phrase célèbre, « La terre ne ment pas ». Eh bien, moi, de retour de Cauchy à la Tour, je dis « La ferme du maréchal ne ment pas ». Oui, ça c'est très... De Gaulle était un bourgeois. De Gaulle, et ça, c'est différent. Voilà. Pétain est enraciné. C'est l'homme de Verdun, il est dans la glèbe. Comme disait Danton, on n'emporte pas sa patrie à la semelle de ses souliers. Ça explique qu'il ne parte pas. Absolument, absolument. Alors, parmi les richesses de ce livre, je le disais en vous présentant, il y a plein de petits textes d'écrivains qui sont des photographes de la situation et qui sont des très perspicaces quant aux personnages qui défilent sur l'écran, si je puis dire. Paul Morand écrit à propos des résistants de 44. Je ne parle pas des grands résistants de bien avant. Quand on voit avec le recul la carrière des résistants de 1944, on les imagine comme des millions de tout petits Talleyrands, d'un Talleyrand pour la première fois appelé au gouvernement et s'écriant dans le fiacre. Et maintenant, nous allons faire une fortune immense. Exact. Et je cite le fait que le soir de l'appel du 18 juin, quand le général de Gaulle est rentré à son hôtel, il y avait déjà un groupe de personnes qui étaient venues pour rallier son étoile et essayer de faire carrière. Oui. Le soir même de l'appel du 10 juin, il misait sur, comme on mise sur un futur cheval gagnant. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui ont le sens de ça. Saint-Ex aussi, Saint-Exupéry, est resté très dubitatif. À l'égard du général de Gaulle. Ben, il voyait bien qu'il y avait la France d'un côté et il y avait de Gaulle de l'autre. Et que il était pour la France, mais il n'était pas pour un combat singulier. Le problème des gaullistes, c'est qu'ils ont formé une sorte de secte avec une intolérance absolue pour tous ceux qui n'étaient pas gaullistes. Et de Gaulle, c'était « qui n'est pas avec moi est contre moi ». Ouais. Quitte à ce que ses services... trahissent, livrent à l'ennemi des vrais résistants, mais qui avaient le crime,
le défaut de ne pas être gaulliste. Et puis c'est quand même ce goût pour la guerre civile, les guerres civiles sont les plus épouvantables qui soient. Ça ne lui est pas venu à l'esprit que créer une guerre civile, c'était mortel. Pétain disait qu'il ne connaissait pas la haine. La haine était un sentiment qui lui était totalement étranger. Chez De Gaulle, j'ai écrit, c'est un carburant. Il vit par la haine. C'est la haine qui le tient, c'est la haine. Et il n'aura jamais été aussi heureux à la fin de la guerre de Syrie, qu'il a fait déclencher en toute conscience. Oui. Il se réjouira de ce que, ayant donné aux Français libres l'ordre de tirer sur d'autres Français, les Français libres lui aient obéi. Il y a quelque chose d'assez effrayant là-dedans. Ouais. Vous avez une sauf image. Monclar, qui a refusé en disant « La Légion ne tire pas sur la Légion, il se retirait sous sa tente. » Et du coup, le général de Gaulle a cassé sa carrière. Ouais. Vous avez une image, parce que vous avez une plume très littéraire. Vous êtes très, très agréable à lire. Et vous avez une image qui m'a frappée. Vous comparez De Gaulle à une pieuvre, il lance un jet d'encre et il se cache dans cette encre. Oui, c'est vrai. L'encre noire. C'est un magicien du verbe. Alors, ce qui est terrible dans ce que je suis en train de dire, c'est que on pourrait penser que je fais une déconstruction du général. Le général est un génie. Ce génie est un grand homme. Ce génie a fait un bien infini. Mais il a fait un mal aussi infini. Et cela, il faut en prendre conscience. Ce qui est malheureux, Pétain a été le plus grand admirateur du général de Gaulle. C'est lui qui l'a aidé à émerger. De Gaulle a commis dans sa carrière au début un certain nombre d'erreurs. Il a été repêché à chaque fois par Pétain. Pendant la guerre de 14, Pétain lui a décerné des citations presque excessives. Donc, le plus grand soutien, ça a été De Gaulle. Mais De Gaulle aussi ne voulait devoir rien à personne. Le maréchal résume très bien. À Vichy, vous écrivez, le maréchal ne supportait pas qu'on qualifiât De Gaulle de traître. Et il disait souvent à son entourage, « C'est le meilleur, nous nous retrouverons. » Dommage que l'orgueil ait gâté une aussi belle intelligence. Je pense que le grand problème de Gaulle, c'est un orgueil sans égal, insupportable. Pour moi, absolument insupportable. Et cet orgueil a été à l'origine de beaucoup de souffrances. Et Pétain disait aussi, je ne sais pas chez De Gaulle s'il est plus orgueilleux ou plus méchant. Et n'oublions pas qu'il rejoint en cela Churchill. Oui. Il dit, partout où vous êtes passé, vous avez porté la division. Oui. Vous n'avez jamais eu de plus grand ennemi que vous-même, oui. Vous-même, vous avez apporté la haine. C'est-à-dire, Churchill dit que De Gaulle est animé par la haine. Et ça, je veux dire, à la fin, si vous voulez, qu'on appelait Pétain le vieux pardonna, et le général, lui, ne pardonna jamais. Jamais. Il a voulu la mort morale de Pétain. Il a voulu même, presque après coup, le détruire, la gloire de la première partie de sa vie, qui était, attaqué par personne au départ. Ah. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est Pétain dans son ensemble. Il n'y a rien à sauver chez Pétain. Mais non, oui, absolument. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous donnez les jugements plutôt négatifs de Roosevelt et de Churchill. Ça, on les trouve rarement dans les livres. Nous vivons sur une hagiographie. Alors, ce que j'ai... Roosevelt écrit le 8 mai 1943 à Churchill. « Si les Français savaient ce que nous connaissons nous-mêmes de Gaulle, ils continueraient certes d'être favorables au mouvement de la résistance, mais pas à De Gaulle lui-même. » Et Churchill, lui, le 23 mai, écrit à Hayden, je demande instamment à mes collègues de considérer de toute urgence si nous devons à présent éliminer De Gaulle en tant que force politique.
je suis tout prêt à défendre moi-même cette position au Parlement et je montrerai au monde que le mouvement anticapitulaire français autour duquel la légende de De Gaulle s'est bâtie et la réalité de cet homme vaniteux et même méchant n'ont plus rien à voir ensemble. Mais oui. Et il dira à De Gaulle, votre pire ennemi, c'est vous-même. Vous avez semé le désordre partout où vous êtes passé. Oui. C'est... Pour une même fonction, il nommait trois personnes à la fois, qui se bouffaient le foie. C'est-à-dire partout où il est passé, chaque fois qu'il y avait un territoire qui tombait sur sa coupe, d'une certaine manière, il y apportait la confusion, la division. Et il n'aime même pas le milieu dont il est sorti. Il dit à Rémy, Rémy, mettez-vous bien dans la tête qu'un militaire de carrière n'est jamais intelligent. Ce qui est quand même, gonflé. Pétain n'a cessé d'envoyer des émissaires pour proposer à De Gaulle une concertation secrète pour éviter justement la division des Français. Donc Pétain passe toute sa guerre à essayer d'éviter la division des Français, et De Gaulle veut la division, et il pousse même Pétain pour l'amener, l'acculer à déclarer la guerre aux Allemands. Il dira au général Audic, mais avec quand est-ce que Pétain va déclarer la guerre aux Alliés? Et donc Pétain fait tout ce qu'il peut pour éviter les escalades. Et De Gaulle n'a de cesse de le pousser à la faute. Pousser à la faute, pourquoi? Pour faire sauter l'armistice. Or, l'armistice est le gage de la renaissance de la France. Donc, voilà, il y a quelque chose d'absolument incroyable où De Gaulle joue contre l'intérêt de sa propre patrie, uniquement pour une question de narcissisme, d'image personnelle. Le grand narcisse pourrait être aussi un joli titre. Oui, non, mais pour moi, c'est le grand alchimiste. Cher Jacques, mais l'alchimiste, il change l'or en plomb. Vous avez raison. Enfin, vous voyez, chers amis de TV Liberté, combien ce livre est riche d'informations que l'on trouve très rarement. Et puis, les archives remontent toujours. Ça continue. Et d'une part, plein d'archives, plein de témoignages, une très jolie plume, parce que vraiment, encore une fois, vous écrivez bien, et c'est un livre qui fait du bien, parce que c'est un livre qui s'approche de la vérité, et c'est deux vérités dont nous avons besoin. Puis-je dire, donner une conclusion, le dernier mot au général de Gaulle, qui de temps en temps fendait l'armure et pouvait dire le fond de sa pensée. C'était en 1955, au Grand Véfour, il déjeunait avec François Leydeux, qui avait été ministre de Pétain, et qui lui disait quand même, « Mon général, vous ne pouvez pas détruire Pétain comme vous le faites. » Et De Gaulle a pris sa respiration, il a dit, « Le maréchal Pétain était un monsieur trop grand pour eux, les Français ne le méritaient pas. » Oui, c'est sûr. C'est d'une grande lucidité, mais malheureusement, ça arrive après la mort du maréchal. C'est-à-dire que Pétain avait une grandeur d'âme telle qu'il faut. Il est rare de trouver des personnes qui ont cette même hauteur d'esprit. Et donc, ceux qui le regardent avec leur propre référence. Et comme ils ont une référence petite, ils le jugent petitement. C'est une très jolie conclusion, c'est vrai. Merci beaucoup, Jacques Boncompain, pour cette tragédie du maréchal chez Muller Éditions. Voilà. Il faut redorer l'image de la France. Absolument. Redorons. Merci beaucoup, Jacques Boncompain, ami de TV Liberté. À très vite.